Tabarnak, hein? Hey, merci tout le monde d'être là. On a sold out le Club Soda, tabarnak. Yeah! Depuis tout à l'heure, je me dis, bois pas trop, bois pas trop. Si tu te souviendras plus de ton texte, je dis, bois pas trop. Je sais que t'as du fun, on le sait. Hey, merci tout le monde d'être là. C'est vraiment apprécié. OK, bienvenue à mon spectacle qui s'appelle Geralyn, plus pour longtemps. Hein? La raison pourquoi j'ai appelé ça de même, c'est parce que moi, je me suis fait découvrir à sous-écoute, tu sais. J'ai un petit peu bu. Tu sais, il y en a que l'alcool leur donne des problèmes. Moi, ça m'a donné des supplémentaires. Pour, Yeah! Ouais, c'est ça, je me suis fait découvrir à sous-écoute, tu sais. Puis, pourquoi j'ai décidé d'appeler ça plus pour longtemps, c'est parce que je me l'ai tellement fait souvent dire, quand j'ai fait sous-écoute, parce que tout le monde venait me voir pour faire comme, ben voyons donc, Geralyn, tu peux pas te saouler de même, voyons donc, Geralyn, si tu bois de même, il n'y a aucune compagnie qui va vouloir s'attacher à toi, t'en auras plus pour longtemps, aucune boîte de production va vouloir te produire, t'en auras plus pour longtemps, plus pour longtemps, je l'ai tellement entendu souvent, c'est pour ça que j'ai appelé mon show de même, fuck you, esti, on a rempli le Club Soda ce soir, tabarnak. Mec, ils mangent de la marde, c'ti. Ils peuvent aller sucer ma queue molle, tabarnak, mais encore lisse. Mais en même temps, je comprends que plus pour longtemps... Chris, j'ai fait une crise du fouet, là, pas tant longtemps, fait que... Ça a l'air qu'on a vraiment plus pour longtemps, guys, c'ti, hein? Merci d'être là, merci d'être là. Ah, puis le pire, c'est que j'étais allé faire des tests, justement. J'étais allé faire une échographie du foie. Puis je suis correct. Je suis correct, tabarnak. Tout est cool. Ouais, je suis bien content. Merci, merci. Mais tout ça, tu sais, je vais être un peu plus sérieux en ce moment. Mais c'est vraiment important, OK? Si vous pensez avoir un problème, sentir un petit mal en quelque part, allez faire vos tests. Tu sais, je sais, j'arrête pas de déconner tout le temps là-dessus, là, tu sais. Mais si vous vous sentez pas bien, prenez pas de chance, allez faire vos tests, allez à l'hôpital. Parce que moi, esti, à cause de ça, j'ai arrêté de boire 5 mois pour absolument rien. Chris, le nombre de brosses j'aurais pu virer, au lieu de ça, j'étais sur mon esti d'elliptique. Mais tu t'as fait? Calisse. Ah ouais, moi, je prends soin de moi, honnêtement. Je sais, juste ça, c'est quasiment un gag, là, mais je prends soin de moi, pour vrai, esti. Tabarnak, je suis végétarien, calé. Je fais juste ça, manger des sacrements de légumes, des esti de fruits, OK, là? À chaque fois que je dis au monde que je suis végétarien, personne ne me croit. Je sais pas ce qu'elle a, ma face, esti, là. On dirait, personne ne me croit. On dirait que j'ai une face de gars qui mange des hot chicken aux danseuses, tabarnak. Hein? J'ai l'air de l'esti d'habitué qui est comme « Il est bon ton poulet, Mercedes! » Mais l'esti de gros moron, là. Ah ouais, je sais pas c'est quoi qu'avec les esti de végétariens. On dirait, on imagine tout le temps un esti d'hippie qui est végétarien. On dirait qu'on a toute la même image d'un végétarien. Hein, on dirait, on imagine toute la même personne, genre l'esti de grano, que sur sa porte de toilette, de salle de bain, il y a un panneau qui est écrit « 3 pipis on flush », tu sais? Chris, va chier direct dans le compost, tabarnak! Tu vas te sauver un intermédiaire, là, au moins! Hein, on dirait, on a toute la même esti d'image de cette crise d'hippie-là, là, hein? Un autre esti de grano, man. Tu sais, genre de grano. Ça lui dérange moins de se faire enculer par sa blonde parce que le dildo, il est fait en graines de lin, là, tu sais. Pourtant, on n'a pas besoin de ressembler à un hippie pour être végétarien. La preuve, Steve-O de Jackass, il est vegan, lui, ce gars-là. Je vous rappelle qu'on parle du gars qui a gagné sa vie en calant de la bière avec son cul, là, calisse. Loin d'être nutritionniste, là, ce sacrement-là, là. Hey, c'est fou, lui, là. Il a tellement fait plein de drogues dans sa vie, là. Man, Chris, il s'est déjà rentré du wasabi dans l'œil. Il a déjà sniffé son propre sperme, pas de problème. Mais par exemple, une sandwich au ballonné, il est comme, « Ouais, fais pas partie de mes projets, ça! »
quand même intense. Moi, inquiétez-vous pas, là, à soir, là, j'essaierai pas de convaincre personne du végétarisme, OK? Là? Je m'en calisse, moi, honnêtement, OK? Moi, honnêtement, il y a juste une personne que j'aimerais convaincre, puis c'est Kevin Bacon, OK? Je trouverais ça drôle qu'il change son nom pour Kevin Tofu. Ça serait drôle. Frère, est-ce-tu? Voyez l'homme invisible avec Kevin Tofu. Est-ce-tu? Ça serait... Moi, je trouve ça drôle, calisse. Ah non, merde, moi souvent, quand j'ai annoncé que j'étais pour devenir végétarien, c'est les autres qui ont commencé à me dire de pas devenir végé. Ils faisaient, Jer, si tu deviens végétarien, tu vas. Man, tu vas tout le temps perdre connaissance, tu vas avoir le teint pâle, puis tu vas tout le temps tomber par terre, mon gars, t'es sûr que tu veux ça? C'est sûr. Puis ça, là, man, là, ben c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est parce que moi, j'étais un esti de cave, OK? Quand je suis venu végé, j'ai enlevé toute la viande de mon régime et je l'ai remplacée par absolument rien, OK? Là? Mais si tu manges équilibré, tu vas être correct, tu sais. Comme, exemple, ceux de Greenpeace, là, ces tabarnaks-là, c'est tous des végés. Ils sont tout le temps en train de grimper dans les arbres et s'attacher après des calices de séquoias pour pas qu'on les coupe. Ça a-tu l'air de manquer d'énergie, ce monde-là? Avez-vous vu déjà... un omnivore grimper sur un toit de McDonald's puis s'attacher après des petites cheminées pour pas qu'ils ferment le McDonald's? Non! Pourquoi? Parce qu'il y a pas d'échelle sur leur quadriporteur, OK? Ils peuvent pas faire ça. Ah non, moi, inquiétez-vous pas, là. Hostie, je vais pas convaincre personne de ça au végétarisme, tu sais. Une autre preuve de ça, tu sais, en Inde... Ah, OK, un shoot. OK, all right. Je vais en parler. Lui, je vais le prendre, mais veillez-en pas d'autres, OK, là? Ça, je sais si je fais juste vous provoquer en ce moment, là. Mais c'est parce que honnêtement, il faut que je finisse le texte, OK? C'est juste pour ça. Je me connais une fois que Drunk Jerry embarque, il veut plus s'en aller, OK, là? Fait que, ben, santé, tabarnak, ma gang de tout croche. Il y en a qui vont dire aussi que les végés, on est fatigants. Ils font comme, ah, oh, les végétariens, est-ce qu'ils sont fatigants? Chris, ça paraît que t'as pas parlé avec quelqu'un qui capote sur le bacon, est-ce que... Hey, pour vrai, là, il y a du monde qui aime le bacon et qui vivent leur vie, là, hein? Il y en a d'autres qui sont comme, ah, le bacon... Tabarnak! Oh, le bacon! Oh! Oh, le bacon! Ils mettent ça dans n'importe quoi, tabarnak! Il y a des saveurs de condom au bacon, galisse! Ça me semble que c'est la pire idée au monde. Tu donnes juste l'idée à ta partenaire de croquer, tabarnak! Me semble. Il fait « Ouais, mais même le bacon! » C'est malade, style bacon, c'est tellement bon! Ben ouais, mais le cristal mette aussi, pis j'en mets pas dans mes muffins, là, calice! Ça revient, hein? Moi, le monde qui mange de la viande, ça me dérange absolument pas, OK? Il y a personne qui me dérange. Les seuls qui me dérangent, c'est ceux qui mangent leur steak bleu, style. Bon, honnêtement, eux autres, là, ils sont pas en train de se nourrir, OK? Ils sont en train de m'envoyer un message clair et net de « Ne sois jamais pris avec moi sur une île déserte, OK? » Ils sont en train de dire que la cuisson ne sera pas un obstacle, hein? Tabarnak! Hey, ils sont quand même à 5 secondes de cuisson d'être Dracula, là, hostie, là! Sacrement! Tu sais, c'est les seules personnes qui ont une fringale quand ils écoutent Décadence 3. Ah, oh, mais moi, j'aime bien ça manger du tofu, esti. J'aime ça le tofu, tabarnak, pour vrai, j'aime ça. Récemment, j'ai... Ah, cool, cheer, là, OK. J'ai appris récemment que dans le tofu, il y avait beaucoup d'estrogène. Puis ça, c'est l'hormone chez la femme, puis... Moi, ça n'a pas changé mon comportement. Pour vrai, ça n'a rien changé mon comportement. L'autre fois, je pensais à ça durant que j'étais dans ma semaine, puis...
pendant que j'étais en train de pleurer parce que mes totons étaient sensibles. Puis j'étais comme, ben non, j'ai tout le temps eu des bouffées de chaleur quand j'écoutais quatre filles et un jeans. C'est totalement normal. Tout est normal en ce moment. Ah ouais, moi, je mange jamais de viande. Jamais, 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 jamais de viande. Aucun moment je mange de la viande. Jamais, jamais, jamais. Sauf quand je suis sous. C'est ça le moment. Sauf quand je suis blackout puis j'oublie que je suis végétarien. Je deviens un peu comme, tu sais, ma tante, la fille qui a un peu bu puis que là, elle voit un gars finalement très laid qui a fait comme, oh, il est pas prêt finalement, tu sais, puis là, elle va se réveiller le lendemain dans le même lit puis elle va faire comme, oh non, j'ai couché avec cet hostie de loser là. Ben moi, c'est la même affaire, sauf quand je me réveille le lendemain, c'est des emballages de McDo qui est dans l'entour de moi. Puis en plus, il y a une fille qui est comme, oh non, j'ai couché avec cet hostie de loser là. Hostie de calice. Moi, je fais attention à moi. Moi, j'ai arrêté de fumer, ça fait 6 ans de ça. Je suis vraiment content de ça. Ah, cool. En même temps, applaudissez pas ça. À chaque fois que je suis sous, je recommence. Là. C'est sûr, vous allez me voir dehors en train de puffer une smoke. Faire comme, yeah, bro, yeah. Ah ouais, man, moi, je suis content, par exemple, d'avoir arrêté de fumer parce qu'avant, quand je rentrais chez nous, ça sentait tout le temps l'esti de renfermé. Ça sentait tout le temps l'esti d'odeur de botch sale. Tu sais, dégueulasse, man. Tu sais, l'odeur de la serveuse en break au Nichols, là, tu sais. C'est l'odeur dégueulasse. Maintenant, je suis vraiment content parce que quand je rentre chez nous, ça sent juste le renfermé. Tu sais, il y a une bonne affaire. Bonne affaire de fête. Puis tu sais, même si moi j'ai arrêté de fumer, là, le monde qui fume, ça me dérange pas. Moi, je m'en calais, c'est pas mon combat, c'ti, d'essayer des arrêter de fumer, de tabarnak. Là. Moi, je pourrais sortir avec une fille qui fume, ça me dérangerait pas. La seule condition, il faudrait juste pas qu'elle ait des dents noires. Je pense, peu importe avec qui tu sors, tu veux pas que ton partenaire ait les dents noires, tabarnak, OK, là? Moi, je serais pas capable. Imagine-toi, si elle est pas capable de prendre l'hygiène de sa bouche ici, j'imagine pas en bas, là. Hein, t'es baisse des jogging pis son vagin, il tousse, là. T'es comme, tabarnak, c'est quoi? Tu te laves-tu avec des Dumouriez, câlisse, c'est-tu? Calme-toi. Moi, j'ai pas eu de la misère à arrêter de fumer. Attends, je vais pogner une petite gorgée. J'ai pas eu de la misère à arrêter de fumer. La seule affaire que j'ai eu de la misère, c'était quand il y avait les défis, les pubs du défi « J'arrête, j'y gagne ». Eux autres, man, hostie, que ça me faisait chier, hostie, pour vrai, là. Faisait vraiment chier parce qu'on dirait qu'ils savent pas à qui ils s'adressent. Tu sais, le défi « J'arrête, j'y gagne », on dirait qu'ils ont pas compris, hostie, qui leur public cible. Parce que c'est sûr qu'ils s'adressent pas à du monde qui fume. Parce que du monde qui fume, ça sent calice, là, ça regarde ça, puis ça fait comme « Ah ouais, c'est pas bon fumer. Moi, je fume. Ça fait longtemps qu'il n'est pas fumé. Mais allez fumer une cigarette, est-ce hein? » C'est vrai que ça s'est allé de mer. C'est sûr qu'ils parlent pas à du monde comme moi qui était déjà en train d'arrêter de fumer. Parce que moi, j'étais en train d'arrêter. Puis tout allait bien, ça faisait 3 semaines. J'avais des nouvelles habitudes. J'avais oublié que je fumais. J'avais redonné tous les lighters que j'avais volés, là, tu sais. Tout allait bien. Puis là, je vois leur calice d'annonce, puis je suis comme, « Chris, c'est vrai, je fumais, moi, tabarnak. Asti, j'irais fumer une smoke en ce moment! » On dirait qu'ils savent pas à qui ils s'adressent. Parce que quand quelqu'un est en train d'arrêter de fumer, là, tu pourrais donner le meilleur argument au monde. Mais si l'envie, il poigne, il va trouver n'importe quelle hostie de raison pour y donner juste une raison de recommencer à fumer juste une smoke, tu sais. Moi, je me souviens, t'aurais pu me montrer, tu sais, là, le gars qui fume par sa trachéotomie, tu sais, d'où qu'il y a un trou dans la gorge, là, qui s'envoie de la nicotine direct dans l'œsophage, là. Moi, genre, regardez-le, j'étais comme, oh, tabarnak, oh, c'est dégueulasse, oh, oh, Chris, arrête. Mais c'est-tu qu'il a de l'air détendu, par exemple, hein? Hein, en plus, avec son trou dans la gorge, il peut fumer 2 smokes en même temps, cet esti-là, hein? C'est pour ça qu'il est détendu de même.
Avec son trou dans la gorge à l'Halloween, il peut se déguiser en dauphin en plus. Toc, toc, toc. Yeah! Hey, travaillez fort pour être capable de faire ce bruit-là, Gaulis. Mon cœur est en train de pomper. Chris, vas-tu le réussir ce fois-là? J'ai plus de souffle, est-ce que j'ai plus de souffle? Bref. Moi, tiens, pour vous dire à quel point que le défi j'arrête, j'y gagne, ils n'ont pas compris c'est qui leur public cible. Non, j'ai pas fini avec eux autres, est-ce que j'ai pas fini? Hein, pour vous dire à quel point ils n'ont pas compris c'est qui leur public cible, là, dans le logo du défi J'arrête, j'y gagne, le A, c'est une cigarette pétée en deux, tabarnak. Mais pas des cigarettes dans ton logo. J'ai le goût de fumer ton logo, calice. Tabarnak, ça n'a pas de sens, ça, sacrement. C'est comme si quelqu'un, là, il voulait, genre, il est dépendant à la pornographie, OK, là. Fait qu'il décide de s'inscrire à la coop anti-sexe. Puis dans le mot coop, les deux O, c'est deux gros crises de totons, là. Avec le P qui est comme, genre, une couille avec une grosse graine qui pend, là. Tu vois que le gars, il va devant le building, puis il est comme, « Oh non! Ma seule faiblesse, tabarnak! » Quand ça se crossait, tabarnak, ils n'ont rien compris. Moi, je fais attention à moi. Moi, j'ai arrêté de fumer du weed. Parce qu'honnêtement, à chaque fois que je fumais, je faisais des psychoses. C'est vrai qu'il était temps que j'arrête. Moi, la fois, je sais pas s'il y en a qui vont filer qu'est-ce que je dis. Moi, la fois, là... Mais à chaque fois que je fumais, la moindre responsabilité me faisait battriper totalement, là, tu sais. Des fois, je fumais, là, puis j'étais comme... Oh non, c'est la journée des poubelles, qu'est-ce que je fais? Où c'est que je m'en vais sur le compost sous le recyclage, câlisse? Puis j'étais pas bien, man. Mais moi, ça me fait chier, le monde qui parle contre la marijuana. Moi, ça a tout le temps été cool. C'est pas parce que j'ai arrêté de fumer que je suis plus contre. Tu sais, moi, mon père, il arrêtait pas de me dire ça. Jer, si t'arrêtes la marijuana, là, tu sais, c'est pas bon, la marijuana pour toi. Tu vas, ça va rien t'amener de bon pour toi dans ta vie. Tu vois, la marijuana, c'est pas bon, puis ça va jamais t'apporter nulle part. Puis ça, c'est faux, tu sais. Parce que grâce à la marijuana, aujourd'hui, moi, Jer Alain, je peux rouler des fucking nice fajitas, OK, là? Honnêtement, là, moi, être dans un cartel mexicain, mon surnom, ça serait Ol del Paso, OK, là? Moi, la seule raison pourquoi... Moi, la seule raison... La seule raison pourquoi je pourrais pas travailler dans un restaurant burrito, là, c'est qu'à chaque fois que je roulerais le burrito, je lécherais le pain pito. En passant, je sais que ça se dit fajitas, c'est juste mon calice, OK? Là? Tabarnak. Chris, j'ai pas de secondaire, j'ai même pas appris ma propre langue. Pense-tu m'en crisse d'un autre, assis, là? Hein? Fait qu'au bar, m'a te commandé un mojito, s'il te plaît. Donnez-moi un mojito! Non, c'est une joke, j'en veux pas, cette marde. Ah ouais, man, moi, même si j'ai arrêté de fumer de la dope, je suis quand même pro-drogue, pour vrai. Moi, je suis pro-drogue, estimant. Puis depuis qu'il y a eu la légalisation de la marijuana, je trouve ça fucking nice. Mais qu'est-ce qui me faisait chier avec ça? C'est de voir des articles de journaux où ils n'arrêtaient pas de parler contre la marijuana. Ils commençaient et faisaient comme « Oh, la marijuana, c'est un fléau! Oh, mon Dieu, le fléau! La marijuana! Oh, Seigneur! Le fléau! Faisons de quoi contre ce fléau qui est la marijuana! »
Vraiment, man? C'est ça pour toi un fléau? Fléau, c'est synonyme de cataclysme, calice. C'est ça pour toi un fléau, man? Deux estides buzzés dans un sous-sol qui check des documentaires conspirationnistes à savoir si Barack Obama est un reptilien. Si c'est ça pour toi un fléau, tabarnak? Voyons donc. Esti. Hey, si la marijuana était vraiment un fléau, là, hey, tu pourrais même pas pogner le métro, esti. Tu sais, t'arriverais pour prendre le métro, puis au lieu d'entendre... Tout, tout, tout. Prochaine station, Jean Talon. T'entendrais genre comme... Chris, ça va vite. Ah, man, j'en revenais pas, man. Puis son seul argument, OK, pour backer son article, c'est qu'il disait qu'en Colombie-Britannique, 7% des accidents, les chauffeurs étaient sous l'influence de la marijuana et 33% sous l'influence de l'alcool. Puis moi, en lisant ça, j'étais comme, il est-tu en train de dire que le 60% étaient à jeun quand ils ont eu leur accident? Ça, c'est pas bien convaincant. Ça, calice, je sais pas. En tout cas, si c'est vraiment le cas, son article de journaux aurait dû commencer par « Être à jeun, crise de fléau, ça, calice, hein? » On va se dire. Yeah. Hey, on s'entend, c'est tous des accidents de buzzer, là. Tu peux pas faire grand dommage quand ta plus grande peur, c'est l'accélérateur, esti. Hein? C'est genre des face-à-face au service au volant, esti. Hein? Tous des accidents qui se sont réglés avec la phrase « T'as-tu senti ça? » Quoi ça, man? Mes doigts! Qui ont planté dans quelqu'un. Ah, ça me fait chier, man, ces estis d'articles-là. Parce que quand c'est pas des articles, c'est des estis d'annonces, genre du gouvernement, des pubs contre la marijuana, que c'est fait par du monde qui ont jamais fumé de leur calice de vie, esti. Tu sais qu'ils ont jamais fumé, ils ont jamais rien fait. Tu sais, moi, je sais pas s'il y en a qui vont s'en souvenir, là, mais voilà une couple d'années, là, tu pouvais voir, c'était des pubs à Internet, OK? Là. T'avais deux gars buzzés dans le char, OK? Puis t'as celui qui conduit, qui regarde son chum buzzé à côté, il est comme, « Hein? » Il voit un panneau de sortie de carotte, OK? Puis il est comme, « Hey, man! Je savais pas qu'on pouvait aller jusqu'à 232 km/h! Comme un esti de malade. Chris, ce gars-là, il est pas gelé, il est cave, tabarnak. C'est un esti d'abruti, c'est ça son esti de problème. Hey, j'en ai fait de la drogue dans ma vie, OK? Là, sacrement, j'en ai fumé, j'en ai consommé. J'ai même déjà tellement fait de magic mushroom, OK? Que j'ai halluciné mon propre fer en afro-américain, OK? Là. Mais jamais j'ai confondu des panneaux de sortie d'autoroute. Voyons donc, calice, c'est-tu? Tu sais, là, quand vous allez à la salle de bain, OK, et vous voyez une affiche, puis c'est écrit « Comment laver tes mains en 7 étapes faciles », puis tu fais « Ben voyons donc, à qui ça s'adresse, ça? C'est à lui, ça, le sti de cave, OK? C'est lui, le sti d'abruti! Le seul sti de mongol qui pense que... Les seuls dinosaures qui existent encore sont au Madrid, là, tu sais, là. Chris de paix. Ah non, man. Ah, ta gueule, toi. T'aimes pareil, mais arrête de crier, c'ti. Ah, hey, man. Ah, c'est-tu, des fois, j'en reviens pas. Moi, je pense, honnêtement, là, que si le gouvernement voulait faire vraiment sûr qu'on respecte les lois, je pense que à chaque fois que tu achètes une voiture,
ça devrait tout le temps venir avec un sac de drogue illégale dissimulé dans la voiture, OK? T'es pas au courant qu'il est dedans. La simple et bonne raison de pourquoi je vous dis ça, c'est qu'encore une fois, j'en ai vendu en tabarnak de la drogue dans ma vie, OK, là? Et jamais j'ai autant respecté la sécurité routière quand je savais que j'avais 456 grammes de marijuana dans mon char, OK? Moi, je pense que t'es au concessionnaire, t'as juste le vendeur qui fait comme « Gars, là, t'as 2 kilos de coke de caché dans le char. Je te dis pas il est où, mais ta ceinture, hein? Hein, tu le comptes en tabarnak ton stop de 3 secondes quand tu sais qu'il y a 10 ans de prison qui est en jeu. C'est ce moment que tu vas kicker le tailleux avant de rentrer dans ton char. Tu sais même pas pourquoi tu fais ça, tu vas juste le faire. Je prendrais pas de chance, hein? Ah ouais, mais man, tu sais, moi, des fois, les pubs, là, tabarnak, est-ce que ça me fait chier? Moi, les pubs du gouvernement, c'est eux autres les pires, là. Tu sais, comme dans le temps d'Harper, il y avait une pub, je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent de ça, mais il y avait une pub, c'était un cerveau fait en vitre, OK? Puis il y avait plein de boucanes qui passaient dans les tubes du cerveau. Et plein... plein de boucanes. Ouais, quand faut ça sort, est-ce que, hein? Fait qu'il y avait... Ah, oh, Chris... Oh. On est tous le même monde ici, de Chris, de gars, là. Hey. On est entre nous autres, on peut roter, là, calice, là, les gars. Non, mais tu sais, je me souviens, il y avait une pub avec un cerveau fait en vitre, avec... puis il y avait des boucanes, de la boucane qui passait dans les tubes du cerveau. Puis moi, je me souviens, ça m'avait vraiment marqué parce que c'était fucking hypnotisant. Il y avait plein de boucanes qui passaient dedans, qui revenaient. Puis moi, je me souviens très clairement d'avoir regardé cette pub-là en me disant, « Chris, faudrait vraiment que je m'achète un bong demain. » Mais c'est-tu que ça serait malade? Je m'achète un bong demain! Ça venait tout le temps avec des estis de pub cheap, là, genre « La marijuana est rendue 300 fois plus fort que dans le temps. » Chris, qu'est-ce que tu fumais dans le temps, tabarnak? Du persil, esti? Fuck you, man! Hey, j'ai checké, là, tu ne peux pas mourir d'un overdose de marijuana, OK? J'ai regardé, là, puis Wikipédia, je sais pas à quel point c'est vrai, là, mais j'ai regardé, puis pour mourir d'un overdose... laisse-les sur le stage, je vais m'arranger avec ça plus tard, là. Yes, 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 c'est cool. Merci, merci. Yeah, 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 yeah. M'arranger avec ça plus tard, là. Chris, il me reste encore la moitié à faire, là. Il me reste encore la moitié. Est-ce que vous êtes malade, honnêtement? OK, on y va, on y va. Ah ouais, on y va, guys! C'est drôle parce qu'à chaque fois, le monde de mon équipe, il me croit pas que quand je suis défoncé, si ça marche mes affaires. Si. Quand je suis défoncé, ça roule, câlisse, ça, ça roule. Bref, oui, merci, merci. Okay. Là, à partir de maintenant, on va faire mon show avec les yeux fermés tout le long. En parlant d'eau à vous autres, un compte. Mais dis, j'ai arrivé, j'ai dit à la fille. Non, 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 non. Oh, ouais. OK. Attends, ça, je m'en allais avec tout ça, là. Ah, oui. Ah, oh, attends, on est rendu là, c'est pour vrai, on est rendu là. Hey, tant qu'à parler de cette petite pub de marde, aussi bien chier sur Éducalcool, câlisse, hein? Câlisse, Éducalcool! Un autre gang qui peut sucer ma queue molle, ces tabarnak-là, man. Hey, tous ceux qui ont vu mon premier show, là, qui s'appelait Blackout, OK, j'avais un number de 12 minutes sur Éducalcool où je chiais sur eux autres. Puis là, j'ai écrit un nouveau 10. J'ai pas fini de chier dessus. Bon chien, tabarnak! J'ai des nouveaux arguments! Ah, mais pour vrai, ils sont tout le temps en train de chier sur l'alcool, tabarnak, ça me fait chier, moi!
Moi, l'alcool, tu sais, ils sont tout le temps en train de diaboliser l'alcool, tout le temps en train de dire tout ce qu'il y a de mal sur l'alcool sans jamais nuancer puis dire, des fois, ça fait du bien, aussi, tu sais. Moi, man, de l'alcool, je le prends personnel. L'alcool a tout le temps été là pour moi, calice, esti. C'est comme si tu parlais dans le dos de mon chum, tabarnak. Hey, qui était là à l'esti de mariage poche à ma cousine, esti? L'alcool était là, calice, OK? L'alcool était là, tabarnak. Laisse ça là, bro. Laisse ça là. M'arrange avec ça, vrai. L'alcool était là, tabarnak. Esti, qui m'a donné le courage et la confiance d'aller parler à la demoiselle d'honneur et à la ramener à ma chambre d'hôtel? C'est l'alcool, sacrament, OK? L'alcool était là. Bon, c'est sûr, c'est tout ça à cause de l'alcool, j'ai pas bandé, là, mais gars. Ça enlève pas tout le bien qu'elle a fait, esti. Ah, ça me fait chier, moi, le monde, est-ce qu'ils parlent contre l'alcool? Moi, je pense vraiment que l'alcool me rend une meilleure personne. Je sais pas pour les autres, mais je sais pour moi. Moi, ça marche, est-ce, man. Puis, des fois, il y a une de mes chums qui essaie de me prouver le contraire. Il fait comme, non, Jerry. Quand t'es sous, est-ce, man, tu dépenses tout ton argent dans l'alcool. Tu payes tout à tout le monde. Puis, en plus, quand t'es sous, est-ce, tu fous plein de l'herbe, tabarnak. Mais c'est exactement ça que je suis en train de te dire. Quand je suis sous, je suis généreux et aucunement superficiel, si. Ah. Mais pour vrai, c'est tout, ça dépend tout le temps, ça dépend d'une question de perception, hein, des choses. Tu sais, comme il y en a bien qui vont dire que l'alcool, tu sais, les hangovers, si ça, c'est désagréable, tout ça. Tout le temps une question de perception. Moi, les hangovers, c'est rendu, je trouve ça nice, c'est pas vrai. J'aime ça, les hangovers. Pour être, tu sais, c'est sûr, il y a plein de points désagréables à un hangover. Mais un des points positifs, et ça, n'importe quel esti tout croche esti ici va pouvoir me le dire. Quand t'es hangover, esti que tu prends du temps pour toi, hein? Hein? Quand t'es hangover, on va se le dire, tu t'en calisses de tout le monde, hein? T'en as rien à chier, esti. Tout ce qui compte, c'est genre toi qui écoutes La planète des singes pour la quatrième fois, à manger de la pizza, esti. Tu t'en crisses de tout le monde, hein? Il y en a qui vont dire, non, moi, je suis un workaholic. Moi, quand je travaille, esti, je suis pas capable de décrocher. Moi, c'est tout le temps la job. Moi, man, je suis jamais capable de décrocher. Esti, moi, c'est tout le temps la job. Hey, vire une tabarnak de brosse, esti, hein? Vire-en une sacrament. Tu vas voir le lendemain, jamais tu vas avoir autant profité du moment présent, esti, hein? Il y en a qui disent que l'alcool, c'est une béquille. Non, c'est un levier, tabarnak, OK? Faut juste que tu saches bien l'utiliser. Moi, honnêtement, là, quand je me défonce la gueule, c'est rendu, j'appelle ça faire des Jésus, OK, là? Pour vrai, là, la première journée, là, j'en vire une tabarnak. La deuxième, esti, tout le monde pense que je suis mort. Ma troisième, c'est ma résurrection, esti. Je reviens à la vie. Ah, ouais. Mais on dirait, il y a tout le temps quelqu'un, esti, pour te dire que c'est pas bon ce que tu fais, là, tu sais, hein? Moi, il y avait un gars qui vient me voir, qui me disait que, « Hey, Jerry, je catch pas pourquoi tu parles contre l'alcool. T'as-tu déjà vu une fille, coma éthylique, en train de se faire violer dans une salle de bain? » Puis moi, je suis comme, « Mais pourquoi tu me parles de ça en ce moment? C'est quoi le rapport, tabarnak? » Il y a aucun... Pourquoi t'essayes d'associer alcool et viol ensemble? Le problème dans cette histoire-là, c'est que quelqu'un se fait violer, c'est ça! Si toi, ta première réaction en voyant ça, là, tu vois ça, là, que tu t'arrives dans la salle de bain, tu fais comme « Ouais, je pense que quelqu'un a trop bu ici, hein? » Ben, t'es un esti de cave, OK? T'as rien compris, esti! Voyons donc, tabac. Tu vois, toi, ta première réaction, là, ça serait d'aller à la situation première, prendre la bière de la fille, faire « Bon, une bonne chose de faite, hein? » Rien que s'en aller à vrai. Chris, là, t'as le gouvernement là, qui ont enlevé la Fork Top, la Four Loco, man. Moi, ça,
Moi, j'étais pas vraiment un grand consommateur de ça, mais ça me fait chier quand il y a une prohibition d'un produit radical de même, esti. Moi, ça me fait vraiment chier, honnêtement. Puis les arguments qu'il disait, c'était parce qu'il disait qu'il y a trop un haut taux de sucre pour cacher le haut taux d'alcool. Puis moi, je suis comme, depuis quand le but d'une compagnie, c'est que leurs produits goûtent la tabarnak de marde, esti? C'est ça ta solution, ramener la tournade qui goûtait la dépression saisonnière, esti? C'est ça pour toi? Puis là, il disait, non, 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 mais c'est parce que, tu sais, la fucked up, puis la Four Loko, il engage des porte-paroles, puis il cible les jeunes. Chris, savez-vous c'était qui leur porte-parole? C'était les anticipateurs, tabarnak! Si tu sais pas c'est qui les anticipateurs, m'a donné une idée de c'est qui, OK? Là, ils se sont fait connaître avec une toune bien précise qui s'appelle « Sa poudre ». Ça a pas de bon sens, on est sa poudre 24 sur 24, ça a pas de constant, OK? Si tes enfants écoutaient ça déjà à base, t'as échoué lamentablement comme parent, OK, là? Tabarnak! Hey, tes enfants, ils étaient pas à une boisson trop sucrée, alcoolisée, de devenir médecin, là, calice! Ils étaient prédestinés à finir dans un bungalow à sniffer de la craie, si... Voyons donc, tabarnak. Hey, c'est pas comme s'ils s'en cachaient, là. Leur produit s'appelle The Fucked Up. Il y a un avertissement dans leur nom, aussi. Et ils disent dans quel état tu vas être. Si tu bois ça, tu vas être fucked up, tabarnak. Hey, ça fait pas de sens. C'est comme s'ils voulaient bannir un objet d'un sex shop parce qu'il est trop gros puis ça s'appellerait le démolisseur d'anus, aussi. Ouais, mais là, c'est dangereux pour les jeunes, on sait pas si... Chris, c'est le démolisseur d'anus, tabarnak! C'est fait par la compagnie Fist and Twist, OK? C'est fait pour un public cible, c'est... Mêlez-la, là, mêlez-la. Hey, calmez-vous, calmez-vous. Vous le savez, moi et moi, là, fermez vos gueules, OK? Là. Désolé, hein? Qu'est-ce que je suis sous, ta mère? OK, là. Appelle, OK, Chris, c'est une bonne idée, ça, ta mère. Appelle des enfants. Après, calme-toi, là. Sti, calme ton érection, là. Tabarnak. Lâche ton ciel, là, ça, sti, OK, là. Mais, tu sais, je comprends que les règles, des fois, il faut qu'ils soient serrées. Il faut que ça soit sévère. Parce qu'il y a du monde qui en abuse, honnêtement, tu sais. Fait que, des fois, il faut que ça soit sévère. Mais c'est sûr. Mais la seule affaire, c'est des fois, c'est qu'il y a des règles qui font aucun sens, que j'ai de la misère à les comprendre, tu sais. Comme, je sais pas si vous savez, mais on n'a pas le droit d'être sous sur un vélo, esti. Me semble, s'il y a bien de quoi qui sonne pas dangereux, c'est bien de l'alcool au guidon, esti. C'est quoi qui arrive s'il te pogne, il te confisque ton dérailleur, tabarnak, là, tu sais. Il y a des règles, des fois, de même, ça fait pas de sens, tu sais, genre, comme, je sais pas si vous savez aussi, si tu te fais pogner sous au volant, même s'il y a quelqu'un qui te rentre dedans pis c'est pas de ta faute, c'est quand même toi qui vas être responsable parce que vis-à-vis aux yeux de la loi, tu n'étais pas supposé être sa route à ce moment-là. Puis moi, quand j'ai entendu ça, j'étais comme, qu'est-ce qu'ils font si c'est deux Soulons qui se rentrent dedans, tu sais? Dès que le policier qui arrive va me dire, ouais, qu'est-ce qui est arrivé, là? Les deux sont sous? Ben, il n'y a pas d'accident, est-ce qu'on s'en va? Hein? Une autre journée à combattre le crime, est-ce que, hein? C'est moi, Batman, tabarnak! À part de ça, j'ai slacké l'alcool. J'ai slacké l'alcool un peu. Ouais, je sais, ouais, je perds toute crédibilité à soir, là, mais... Non, j'ai slacké un peu.
Calmez-vous, là, calmez-vous. On va se saouler après, là. Calmez-vous, calmez-vous. Ah ouais. Mais tu sais, man, c'est ça, j'ai essayé. Hey, calme-toi, tabarnak, là, Chris. Tu vois pas que j'ai dit d'être calmé? Calme-toi, Chris. En même temps, j'ai un peu couru après. Je vous ai fait. Je vous ai fait attendre depuis 7 heures. C'est ça, ils m'ont fait être défoncés, Red. J'ai appris ma leçon. Tabardin. Hey, Laurence, va falloir que tu m'aides après le show, OK? Laurence, c'est mon assistante, c'est sûr, va falloir qu'elle m'aide, OK? Ouais, c'est ça. Roof, es-tu encore là? Es-tu là, Roof? Tu veux-tu en t'en veux-tu un, toi, bro? Un shot? Hey, là, là, t'es, calme, t'es, t'es! On a Billy Carreau. Ah, tabac. Après, j'ai déjà bu de la chartreuse qui goûtait meilleur, tabarnak. Chris, il m'a juste emmené plus de shooters, ça, ça, là. Oh! Ah ouais, bro! Il en pogne pas, esti de la perte, là, gros. T'en pogne pas, pour vrai, bro? Ah ouais, il était... Bro, il était... Ah ouais, il était... On pogne un shot. Un shot, un shot. Ah, on fait du bruit, guys! Ah ouais! Ah ouais! Bon, je peux-tu continuer, le calice, là? Fait que c'est ça, j'ai un peu slacké l'alcool récemment. La raison, esti, pourquoi j'ai fait ça, je catch, hey man, la claque d'en face, esti, pourquoi j'ai arrêté de slacker, que j'ai slacké l'alcool. Oui, pognez un peu d'eau. Mais c'est parce que, honnêtement, c'est la première fois. Ouais, c'est drôle, ça. C'est la première fois que j'ai gardé mon chandail pour coucher avec une fille, OK? C'est pour ça! Tabarnak, je suis tellement pas en forme, esti, man. Je voulais pas suer sa fille, esti, pendant que je le fais. Elle est tellement cool, esti, de me laisser aller coucher avec. Je voulais pas suer dessus, esti, tu sais. Tu sais, la fille, elle a arrêté tout trempe, pis c'est pas parce qu'elle aurait du plaisir, OK, là? Hein? Après la femme fontaine, voici l'homme gouttière, esti, hein? La gouttière. Puis là où ça a vraiment été une claque d'en face, c'est le tabarnak de Jacob, esti, qui était là, là, tout à l'heure, là. Le esti de Jacob, là, tout à l'heure, là, esti, lui, v'là comme 2 ans, OK, là. Il m'a vu tout nu, OK? Il m'a vu tout nu, puis il a fait, « Hey, bro! T'as une esti de grosse queue, ça, mon gars! » Puis j'étais comme, « Yeah! » Super content. Puis là, genre, là, comme, peut-être 6 mois, il me regarde. Il a fait, un peu, je sais pas si t'as grossi, mais on dirait que ta graine a rapetissé en ce moment. Je pense que c'est là que tu décides de te remettre en forme quand ta graine perd contre une illusion optique. C'est ça, c'est là. Ah, parce que vous autres, mademoiselles, si vous pognez du poids, des fois, ça peut aller d'un sein ou d'un fesse, puis ça, ça peut vous rendre encore plus attirante, tu sais. Moi, man, les hommes, si on prend du poids, ça s'en va direct dans bédaine ou d'un cuisse, tabarnak. Moi, pour mettre ma graine en valeur, là, il faut genre comme je presse les côtés, faire pomper le milieu comme un esti de technique de péter un bouton, là, tu sais. J'ai comme le syndrome du iceberg, là, tu sais, comme genre, tu vois la... Tu vois la pointe, mais la majeure partie est dans le fond, esti. C'est comme...
Bref, je suis célibataire. célibataire. Pour vrai, ça me dérange pas être célibataire, pour vrai. Ça me dérange pas. C'est moi qui ai laissé mon ex, en plus. Je l'ai laissé parce que je savais que j'étais pas en amour avec elle. J'ai juste peur d'être toute seule dans la vie, puis j'ai besoin d'une conductrice désignée. Fait que... Laissez aller. Ah ouais. Mon ex était fucking nice, pour vrai, là. T'es nice en tabarnak, man, ce fille-là. On a essayé de coucher ensemble. La première fois, OK? On a essayé de coucher ensemble. Ça a pris 4 shots. Ça a pris 4 shots. Parce que moi, je bandais pas. Je bandais calissement pas. Parce que j'étais trop intimidé par elle, man. Je la trouvais belle. Je me sentais pas à l'aise. Elle était tellement nice. Puis elle a jamais fait de blague là-dessus. Pas une esti de fois, man. Tu sais, genre, pas une esti de fois, genre, on était à l'épicerie, puis elle voyait des saucisses cocktail, puis elle faisait comme... Fais penser à quelqu'un, ça! Non, pas une esti de fois, tu sais. Puis moi, la raison pourquoi que ça m'intimidait de même, je la trouvais belle, je me posais plein de questions dans ma tête. J'étais comme, Chris, pourquoi je bande pas, tabarnak? Chris, j'ai déjà bandé devant une headset, esti. Pourquoi je bande pas? Je suis rendu au headset, je le sais pas. C'est ça. Hein? Je me voyais pas aller la voir faire comme elle, gaspille pas toi, c'est qu'il te manque de photosynthèse. Hein? Non. Mais pour vrai, même si c'était fucking nice, je ressortirais pas avec. Pourquoi? Parce que ressortir avec ton ex, c'est pareil comme réécouter une vieille toune de Serpathétique dans ton ancien MP3. C'est vrai. Au début, ça te rappelle des beaux moments, des beaux souvenirs. Mais tu finis tout le temps en te disant « Chris, c'est bien de la merde, ce tabarnak d'affaire, là! » Mais pour vrai, la principale raison, c'est que je voulais pas d'enfants. Hey, man, je m'en calisse des enfants, honnêtement, là. Hey, j'en ai rien à contre-chier des enfants, là, honnêtement. Là. Je veux rien. Yes, sir, bro. Tabarnak, je m'en calisse des enfants. Pour vrai, là, je catche pas aujourd'hui. Hey, honnêtement, là, pour le peu de mademoiselles qu'il y a en ce moment, avez-vous déjà vu des nouveaux parents heureux, vous autres? Honnêtement, là. Ouais? Mais ben, pourquoi vous êtes ici d'après vous autres, esti, man, hein? Avoir un tabarnak de break, esti, c'est vrai ça. Hey! C'est cool! Je suis super content. Ça montre qu'il n'y aura pas à DPJ votre jeune, OK, là? Je suis très content. Mais honnêtement, là, moi, là, j'ai vu du monde, si ça n'avait pas de crise de ça. Gars, là, OK, là? J'ai vu une femme au Walmart avec 2 câlisses d'enfants, OK, là? Il y en avait un de 4 ans ici, là, puis un autre, un petit peut-être de 1 an, 2 ans, je sais pas, là. Puis t'as le premier qui était comme... Je fais de chaka! Je demande de chaka! T'as juste l'autre qui est là, qui est... Chocolat! 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 Demande de chocolat! Moi, je regardais la femme, j'étais comme, pauvre femme! Elle était à une couche sale du suicide, c'est galice! Hey, si moi je veux vivre ça, là, que je vais écouter Jurassic Park avec des écouteurs, OK, là? Hey, voyons donc, merde! Puis le pire, c'est qu'elle m'a vu, on a eu un eye contact ensemble. Elle est venue me voir, puis elle a fait, sa face a totalement changé, puis elle a fait, hey, je sais qu'en ce moment, j'ai vraiment de l'air fatigué, tu sais, je suis exténué, honnêtement. Je pense que ça fait 2 ans que j'ai pas dormi. Mais honnêtement, quand je vois tout l'amour que mes enfants ont pour moi dans leurs yeux, ça me fait oublier toute la fatigue que j'ai. Tu comprends de quoi je parle, hein? Non, aussi! J'ai aucune idée de quoi tu parles! Regarde, moi tout, j'ai de l'air fatigué, mais c'est parce que moi, je dors trop, OK?
Qu'elle m'a donné, c'est quoi mon horaire, là? Je me lève à midi, je me crosse et je retourne me coucher, OK? C'est ça, mon horaire. Tabarnak! Hey, on dirait que t'as pas le droit de dire ça, hein? Je sais pas s'il y en a qui en veut pas d'enfant, là. On dirait que t'as pas le droit de dire que tu veux pas d'enfant, hein? À chaque fois que tu dis au monde que tu veux pas avoir d'enfant, ils vont te dire toute la même astuce d'affaire. Ils vont dire, ouais, mais c'est parce que t'as pas rencontré la bonne. Quand tu vas rencontrer la bonne, là, tu vas vouloir avoir des enfants. J'ai remarqué que souhaiter des enfants, c'est la seule affaire qu'on va te souhaiter, même si ça va à l'encontre de ce que tu veux réellement. Tu sais, comme moi, j'ai jamais voulu avoir, genre, le sida. Mais il y a personne qui est venu voir pour faire comme, ouais, mais bro! Tu déjà voulu avoir le sida aussi? Hein? C'est parce que t'as pas trouvé la bonne? Quand tu vas avoir la bonne, là, tu vas vouloir avoir le sida! Moi, mon frère, il y en a des tabarnaks d'enfants, là. Puis Chris, faudrait que je me rapproche parce que c'est moi le parrain, fait que... honnêtement, je l'aime. Je l'aime tellement, man, ma petite. Mais... La petite nièce, l'autre fois, je la voyais se promener, okay? Elle a 6 ans. Okay? Elle se promène avec une poupée de la Reine des Neiges. Moi, souvent, mon problème avec les jeunes, c'est que je ne sais pas quoi leur parler. Puis là, je la vois avec la poupée de la Reine des Neiges comme datit. Je trippe sur la Reine des Neiges, tabarnak. J'adore les films d'enfants, tabarnak. Je vais y en parler de ça. Fait que je la regarde, je fais, « Hey, la Reine des Neiges, son prénom, c'est Elsa. » Puis là, elle me regarde, elle fait « Non, t'as aucune idée de quoi tu parles. Son prénom, c'est pas Elsa, c'est la Reine des Neiges. Tu sais pas de quoi tu parles. » Je fais « Non, 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 non. » C'est juste pour te dire que, tu sais, la Reine des Neiges, elle a un prénom, puis c'est Elsa, tu sais. Elle fait « Non, tu sais même pas de quoi tu parles. Pourquoi tu me dis ça? T'as aucun rapport. Son prénom, c'est pas Elsa, c'est la Reine des Neiges. » Je suis comme « Toi, ma tabarnak, esti, ma Chris. » Pourquoi tu m'ostines, esti, t'as 6 ans, sacrament, tu sais même pas lire, esti de conne? On va faire foutre! T'as 6 ans, tabarnak! T'as la même intelligence qu'un esti de cochon adulte! Fuck you, Miss Piggy, là! Fait que j'avoue plus, ma nièce. C'est... Mais man, pour vrai, là, je veux tellement pas de style d'enfant. Là. À un moment donné, il y a une fille, OK, qui est venue me voir. Puis la fille, là, elle voulait autant pas d'enfant que moi. Puis Chris, ça me turné on, tabarnak. Pour vrai, là, j'avais juste le goût de coucher avec, pas de capote, puis faire comme, « Ah oh ouais, à quelle clinique d'avortement qu'on va, esti, hein? Hein? Une chance qu'on n'est pas en Alabama, esti, c'est, hein? » Et après ça, elle s'est essuyée avec un Kleenex, elle a pitché ça dans le feu de foyer, puis on a regardé 18 milliards de nos responsabilités brûlées. C'est too bad. Fuck that. Là, il y a une fille à m'emmener là, qui m'a entendu faire cette gag-là. Ça, c'est vrai. C'est là que je voulais m'en aller tout à l'heure. Il y a une fille, merde, elle m'a entendu faire ça, puis elle est comme, ben c'est ça, t'iras te crosser, Geraldine. Va donc te crosser, esti. Crosse-toi, Geraldine. Geraldine, tu te crosseras, calice. Est-ce que je suis le seul des boys, quelqu'un qui se fait dire ça, je le prends jamais comme une insulte? Honnêtement, là, moi, quand quelqu'un me dit ça, je suis tout le temps comme, ben c'est vrai, j'irais me crosser en ce moment. À chaque fois, là, pour vrai, c'est comme si quelqu'un m'envoyait aller passer du bon temps avec moi-même, mais avec de l'attitude, tu sais, genre... Ben, c'est ça. T'iras des Caraïbes avec une température vraiment exemplaire, avec tout le temps des refills de rum and coke. Ben, c'est vrai, j'irai des Caraïbes avec une température exemplaire. Moi, j'ai l'impression de plus être wild dans vie. Pour vrai, j'ai l'impression de plus être dans game.
l'impression peut être wild. À un moment donné, je couchais avec une fille, puis elle était comme, ah, regarde-moi dans les yeux pendant qu'on couche ensemble. Ah, regarde-moi dans les yeux. Honnêtement, moi, si je te regarde pas dans les yeux, c'est pas parce que je pense à quelqu'un d'autre, c'est parce que je sais quelle face que j'ai pendant que je pose. Hey, quand je viens, là, j'ai la même face que quand que je me mets du aftershave dans la face, OK? Je suis comme... Je suis laid, là, que le tabarnak, OK, là? Elle est pas mieux, esti, là? Quand elle vient, on dirait qu'elle se fait tatouer la raie, esti. On dirait comme... On est laid quand on fourre, esti, là, tu sais? Moi, j'aime ça me crosser, esti, j'aime ça me crosser. J'aime ça me crosser, tabarnak, je sais pas. Il y en a des fois des gars qui vont dire que « Ouais, mais moi, c'est parce que je me masturbe, parce que c'est un besoin. Il faut que ça sorte. Il faut que... fuck you. » Moi, là, pour vrai, là, quand je me masturbe, là, c'est pas parce qu'il faut que ça sorte, c'est parce que je veux pas être responsable de la mort de quelqu'un, OK? Moi, quand je viens, là, pour vrai, il y a tellement de pression dans ce sacrement de cul-là, là, OK? Là, pour vrai, là, quand je... À un moment donné, là, j'ai arrêté de coucher avec une fille pendant fucking 3 jours. Puis quand je suis venu, là, j'ai passé à travers un double sponge towel, là, c'ti, OK, là? Chris, j'ai passé à travers 2 François Mascotte, c'ti, c'est quand même pas... N'importe quoi, là, c'est... C'est fou, là! Ah, moi, j'ai l'impression de ne plus être wild, honnêtement. Moi, je fais... Mon ex, elle me disait ça, que je fais... Hey, pour vrai, moi, je fais pas de bruit quand je fourre. Je fais aucun bruit. Quand je fourre, je fais aucun bruit. J'ai remarqué ça, je fourre de la même façon que quand je retiens mon souffle en dessous de l'eau. Est-ce. J'arrive et je fais... Et ça pendant 2 minutes, c'est quand même pas n'importe quoi. Moi, mon ex, elle m'a reprochait ça. Elle me disait, tu devrais faire plus de bruit. Mais moi, j'ai jamais fait de bruit dans ma vie, OK? J'ai là, puis j'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire des bruits? Est-ce que tu veux j'aille te fourrer dans une casserole, tabarnak? Elle est comme, non, est-ce que tu fais juste... Ce serait fun qu'il y ait du bruit, moi pis toi, pis on... De quoi du bruit? On fout, tu veux que je te fous? Je fais comme... De quoi tu veux que je fasse? Fais comme non! Fais juste me le montrer, est-ce que tu as du plaisir en ce moment? Montre-moi-le qu'on le vit ensemble, qu'on est là, puis on est ensemble dans ce moment-là, tu sais. Puis elle avait fucking raison, honnêtement, tu sais. La seule affaire, c'est que moi, vu que j'avais jamais fait de bruit de ma vie, il a fallu que je me pratique le lendemain à faire des bruits tout seul chez nous en me crossant, OK? Fait que j'étais chez nous, puis je faisais... C'est bien trop grave, ça, tabarnak. Je... OK, assez plus aigu, plus c'est... Assez comme, genre, moins en interrogation, genre, tu sais. Fait que maintenant, quand je viens, je fais... J'ai encore l'espère. Tu déleras avec ça, ça va être ça. Je vais vous laisser, esti, avec un dernier gag, OK? Je vais vous laisser avec un dernier gag, OK, là? D'un fois, j'ai l'impression de plus être wild, esti. Pour vrai, plus être wild, il y a une fille à m'emmener, là. Ça, c'est drôle, aussi. Elle vient me voir. Hey, man, je m'en ai chaud en calice, man. Non. Super.
Il y a un petit côté qui est comme genre « Ouais, rockstar! » Non, faut rester écologique. Tu sais, genre... Mais... Un petit gag. Des fois, j'ai l'impression de plus être wild, pour vrai. J'ai l'impression de plus être dans le game, des fois. Pour vrai, honnêtement. Il m'a amené une fille qui vient me voir, puis elle me dit... c'est plate, t'es pas chez nous en ce moment, parce que je pourrais être tellement ta chienne en ce moment. Oh, je serais tellement ta chienne. Hostie, je serais ta chienne à quatre pattes devant toi. Je serais tellement ta chienne. Juste pour toi, ta chienne, tellement ta chienne. Puis moi, je suis comme... Cré, j'ai jamais fourré de chien, tabarnak! C'est quoi je suis supposé faire, esti, man? Pour vrai, aller chez eux, genre, me baisser les culottes, mettre du beurre de peanut sur ma queue, faire « Let's go, take go, away! » Donne-toi, esti, hein? C'est quoi, away, away, esti? Tu veux ton biscuit? Tu veux ton biscuit, away? Donne la pâte, away! Tu vas la donner, la pâte? Tu vas me donner ta pâte, ma tabarnak. Oh! Ce que je fais, c'est genre, c'est une femme fontaine, hein? Puis elle vient tout partout, aussi. Après, j'y calisse la tête dedans. Je fais ça, c'est non! Ça, c'est non! Les pipis, c'est d'avoir! Hey, merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. J'espère que vous avez du fun. Merci beaucoup tout le monde, je suis énormément content. On va pogner des photos là ou sinon ça va être au Clafé Cléopâtre. Désolé, je suis trop défoncé. OK? Mais merci tout le monde.